s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour de la victoire. Car la France n'est pas seule, elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes, j'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Lecture du message. Je m'apparaissais à moi-même, seul et démuni de tout, comme un homme au bord d'un océan qu'il prétendait franchir à la nage. Le 17 juin 1940, dans les airs, entre Bordeaux et Londres, Charles de Gaulle mesure l'ampleur de la tâche qui est devant lui, alors que la défaite de la France est consommée, et que l'armistice est demandé, et que l'esprit d'abandon a triomphé. En quittant le sol national, il choisit l'exception. Il refuse l'abaissement. Sur les rives de la Tamise, rien ne l'attend. Ni troupes, ni armes, ni navires, ni avions. En France, aucune organisation ne s'apprête à soutenir son action. Tout est à bâtir. Le Royaume-Uni offre à ceux naufragés de la désolation la première de ses armes, les ondes de la BBC. Dans la matinée du 18 juin 1940, le général de Gaulle rédige des mots qui font corps avec notre histoire. Il est 18h lorsqu'il les prononce. Dans la soirée, ses paroles irrévocables franchissent la Manche et sèment les graines de l'espérance. C'était l'appel du 18 juin. C'était il y a 80 ans, jour pour jour. Le général de Gaulle est la première voix à s'opposer publiquement à l'armistice et à expliquer pourquoi le combat doit se poursuivre. Il proclame que la défaite de la France n'est pas définitive, car cette guerre est une guerre mondiale. Il lance un cri de ralliement à destination des militaires, des spécialistes, des ingénieurs. Enfin, il conclut par un message d'espoir. Il allume ce flambeau de la résistance dont la flamme allait grandir sans jamais s'éteindre. L'appel du 18 juin n'est pas le texte d'un soir, il est le début d'une épopée, celle de la France libre, puis de la France combattante. Peu l'ont entendu, seuls quelques groupes déterminés et quelques vaillants solitaires rejoignent Londres. Ils sont l'avant-garde de ceux qui refusèrent l'asservissement. La France libre n'allait pas cesser de croître. Les Français combattants se sont distingués et ont, partout, porté les armes de la France. Leur succès et leur sacrifice se joignaient à ceux de la résistance intérieure, à ceux de l'armée des ombres. Tant de destins communs pour un même combat, le refus de la collaboration et la libération de la patrie. Tant de femmes et d'hommes qui, aux heures les plus sombres, ont choisi de ne jamais renoncer. De Gaulle n'entendait pas seulement remettre... Un signal d'espoir remplissait le cœur des Français patriotes.
L'appel de l'espoir a permis à la France, dans des heures bien sombres, de siéger auprès des vainqueurs et retrouver à nouveau sa place dans le concert des grandes nations. Nous rendons aujourd'hui hommage au chef de la France libre. Que cet hommage aille aussi à ces hommes et ces femmes qui ont eu l'audace de se regrouper pour former les réseaux de résistance intérieure ou qui rallièrent l'homme pour devenir les combattants français libres. Rendons aussi hommage à tous ces hommes venus des 5 continents qui se sont battus avec la même ardeur que s'ils défendaient leur propre pays.